Sous le règne de Stephen Harper, pendant 10 ans, il a décidé d'arrêter de rencontrer les premiers ministres des provinces. Et nous avons remis cela au programme lorsque nous sommes arrivés au pouvoir. Nous avons renforcé le RPC pour toute une génération. Nous avons aussi signé des accords en matière de santé historique. Nous avons investi beaucoup dans les soins de santé à la maison, dans la santé mentale. Nous avons investi dans les infrastructures, dans le logement, dans les transports en commun, partout au pays. Nous continuons à travailler avec les provinces sur la renégociation d'un ALENA. Et tout le monde, lors de la renégociation, jouait pour la même équipe. En quelque sorte. Alors, nous luttons sur, en fait, l'enjeu principal de notre époque, parce que Jason Kenney, Doug Ford et d'autres leaders conservateurs ne veulent rien faire en ce qui a trait au changement climatique. Nous, on va être un gouvernement au Canada qui va lutter au nom des Canadiens contre les changements climatiques. C'est exactement ce que nous allons faire.